Ah, je me vois déjà à la vade, là. J'ouvre ma petite serrure 3.7, 7h du matin, je me garde devant tout le monde et la j'ouvre. Wouh! Je sors mon lance-latte, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Yeah! Fumée, spot. Tu seras pas là. Hein? Tu seras sur ton toit là, avec l'enceinte. Non, l'enceinte elle va être rangée là, je sortirai ici. Et là je pourrais digiter. Tu mets pas tes bouteilles de gaz et tu la fous là. Non, oh, elle sera ici. Je la descends, je la mets là. Et là. Ouais! Et les femmes elles seraient comme ça. Ouais, j'aime! Ouais, ça va être un truc de dingue. Ouais, tu vas voir. T'as jamais fait de bad? Ouais. Ah, c'est un truc de fou, hein. Non, mais celle-là, je pense que ça va être... Hein? Celle-là va être plus folle. Ah, celle-là va être dingue! Dingue! Celle-là va être... OK! Oh. Ah, celle-là... Bienvenue au... Celle-là, tu l'avais mis en... pour la lapelie, je crois. Celle-là. Hein? Non, je pense pas. Ici. Tu viens pas quand t'arrives à la station et qu'on voit la cheminée Non, pas du tout. C'est pas celle-là? Bah non. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr? Tu parles? Non, tu parles trop de toi, putain. Quand je vais commencer à parier avec toi, ça va te coûter cher. Ah, le bifleux, super. Il veut encore faire des paris. Il dit que cette musique-là, tu l'as mis en Laponie. Quand t'es à la station. Mais non, j'ai dit je crois. J'ai mis un truc de rock, t'arrives à la station avec un bus en Laponie, il fait moins 30. T'as une cheminée qui fume, avec le poêle à bois qui est allumé. Ouais. T'as les échappements qui fument. Ouais. Je vais pas mettre une musique de cirque. J'ai mis une musique de guerrier, tu sais, de rock. Regardez les images, vous verrez. Là, je peux vous dire que là, ça y est, on en chie. Ah, un joueur, regarde pas ça. Moi je parie que quand je suis sûr. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Passe-toi. Hein. Ouais. Imagine, quelqu'un est paniqué. Il est paniqué là. Il arrive sur ton camion. Ah. Le mec, il tombe direct, il tombe. Hein? Direct. Allez, faut pas qu'il vise la fenêtre non plus. Ouais, c'est pas mal. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ou alors j'aurais pu faire un truc comme un gars il fait sur sa chaîne YouTube. Le soleil vient de se lever. Enfin bref, voilà. Ça fait trop du bien d'empêcher le soleil, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, on va commencer à plaquer un pan de mur. Voir si ça se passe bien, voir si les tasseaux ça va. L'isolation, voilà, on va essayer, voir si tout s'emboîte bien. Et si ça s'emboîte bien, j'essaierai de faire le plafond, tout ça, quoi. Voilà, allez hop, je me prépare, on se retrouve dans le camion. Oh là 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 là, ça y est, on commence les travaux. Attention, je coupe la musique, hein. Excuse-moi, Pascal Obispo, hein, voilà. Alors, donc, petit investissement qu'on a fait, que j'aurais dû faire depuis longtemps. Ne rigolez pas, hein. C'est vraiment dire un jouet, la couleur. Voilà, il n'y a pas de placement de produit, juste je vous partage. Ce que j'ai acheté, c'est un pousseur à colle électrique. Voilà, parce que j'en avais marre de me faire mal au poignet avec la colle pique, qui est super dure. Donc du coup, j'ai acheté ça. J'ai pris le moins cher, hein, c'est cette marque-là. Sinon, il y avait des autres marques qualité professionnelle où ça coûtait genre 200-250 euros. Là, le chargeur de batterie, les batteries et l'engin, j'en ai eu pour 140 euros, je crois, à peu près. Je vous mettrai les liens si vous voulez, j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà. On verra si ça fonctionne bien. Je sais plus chez qui je l'ai essayé.
Hein, je pensais que c'était chez toi. Je pensais que c'était chez Jeff. Et non, il y a quelqu'un qui me l'a fait essayer. Et j'ai vu que ça marchait bien. Mais je sais plus qui c'est. Incapable de me souvenir qui c'est. Il va sûrement me le dire. Hein. Il va se faire connaître. Il va se manifester. Hein? Voilà. Alors on va mettre un... Là, je vais faire le plafond tout compte fait. Je vais plaquer tout le plafond. Et comme ça, après, je viendrai mettre les murs et ça tiendra aussi plus ou moins le plafond. Ce sera plus harmonieux, on va dire. Voilà. Et on va essayer ce machin-là. Donc vous avez marche arrière, vous tirez le truc, tout simplement. Et puis marche avant, vous avez un petit variateur avec plusieurs vitesses. Donc là, je vais le mettre à fond. Souvenez que j'en avais acheté un, là. Tu te souviens, le truc que j'avais acheté? Il avait duré... Il avait duré pas longtemps. Une seconde et demie. Wow! Formidable! Et en plus, quand tu pousses, quand tu arrêtes, il redescend un petit peu. Ouais. Tu sais, pour éviter que ta colle chie. J'enlève la pression. Pour éviter que ta colle chie. J'ai pas un truc là-dessus. C'est LJVS, ça. C'est pas la pousse qui colle, qui chie, qui colle, qui pousse, qui colle. Lui, il le dit bien aussi. Ouais. C'est pas la colle qui chie qui pousse la colle qui chie. Non, c'est pas la... Ouais, enfin, je sais plus. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Oh là la vache. Bien, c'est peu... puissant. Wow, un peu trop de puissance. Ouais, c'est bon. Oh là là, génial. Oh la vitesse. Il y a pas un truc aussi pour porter la machine pour éviter de forcer? Oh génial! Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Quand tu vois tout ce que tu passes en colle. C'est clair. Quand tu fais un aménagement. Oh trop bien! Je pense qu'il va y avoir des... Oh là 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 là! Parfait. J'y ai pensé au moment où je suis parti. Ouais, j'ai dit. C'est bon ça! Il peine quand même, hein, tu l'entends. Hein. Ah non, bah là il est à plus petite vitesse. Hein. Ouais. T'imagines, t'aurais fait ça à la main, vitesse, toi. Vitesse comme ça. Hein? Vache. Ça marche bien. T'as vu la vitesse? Et oui, en espérant que ça dure longtemps. Ah ouais. Mais moi, en fait, ce qui m'a plu, tout simple. Moi, je regarde pas forcément les marques ou la couleur ou les trucs. Je regarde comment c'est conçu. Ouais, et quand j'ai vu les grosses dents et quand j'ai vu le moteur ici, ouais. Tu vois? J'ai dit, il y a une bonne démultiplication, une bonne démultiplication, et il a quand même 225 kg de poussée. Ça va quoi, non? Mais franchement, 225 kg de poussée, ça commence à faire pas mal déjà. Donc je suis plutôt content, on verra. On verra si ça tient dans le temps, voilà. En tout cas, très très bon investissement, et ça sert souvent, et ça nous évite de se faire mal au poignet, d'avoir des tendinites ou quoi. Parce que c'est bon quoi les tendinites, hein. Ça a tout séché le bois. Il a tout séché. On sait jamais. C'est super bien. T'as un sopalin? Ou un sopalotre? Eh bien, voilà, nous avons mis quelques tasseaux. L'isolant. Moi, j'ai été découper la planche. On va la poser, voir ce que ça donne. Et il y a un petit rayon de soleil, là. Faut voir comme ça chauffe. Hein. La bâche qui est verte, foncée, ça chauffe la caisse. Hein. C'est bien, ça va la sécher. Là, je peux dire, on a pas vache froid. Ah non, on n'a pas froid, là. Il faut au moins 50 degrés, quoi. Hein? Soir en Afrique. Oh. Ouais. Elle a vraiment bien, bien, bien séché, la caisse. Je suis super content. Le bois, tout ça, tout a séché. On va mettre un petit coup de brosse à droite, à gauche, quoi. Mais franchement, c'est nickel. C'est bon, c'est collé, celle-là? Ouais. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir essayer. Quel côté le plus beau? Celui-là, celui-là. Celui-là est plus beau. C'était à panne et celui-là est... Côté à coller. Non, non, c'est bon. Oh là 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 là. On a risqué la catastrophe. Voilà ce que ça donne, hein. Moi, que c'est joli. C'est bien, hein, je suis vraiment content du résultat. Ouais. Ah. Ça, c'était nul. Accident de travail. Voilà, on est en double tasseau, comme ça ici on vient remettre la suivante. C'est pas mal. Non, on est bien. C'est pas mal du tout. Donc je rappelle que tous les tasseaux sont collés, vissés.
avec amour. C'est très important pour éviter que ça se décolle. Sans pont thermique. Ouais, sans pont thermique. Bah, le bois, il est plus pont thermique que l'isolant. Mais il n'y a pas choix. Il fallait qu'on fasse ça. La caisse, admettons. Ah merde, les droits d'auteur! Ah, j'espère que ça va le faire. La caisse, admettons, à Justin, comme je vous disais déjà dans une précédente vidéo, c'est intégré tout à l'intérieur de sa caisse, en fait, de son panneau. Il y a tout, il y a l'isolant, les renforts, il y a tout. Donc ça, c'est vachement bien quand même de ce côté-là. En fait, lui, il a mis la même chose que toi, c'est-à-dire du contreplaqué. Ensuite, c'est de la mousse. Je crois même qu'il doit y avoir un film à l'intérieur, je sais plus. Et ensuite, tu as l'autre contreplaqué et les fibres. Ouais. Fibré des deux côtés. Et nous, c'est fibré sur deux côtés, mais sur un panneau. Ouais, mais lui, il est grand aussi. Justin. Bah ouais, c'est pour ça qu'il a fait ça. 2,95 m. 2,95 m. Voilà, hop. Ça n'a jamais passé. C'est pas mal tout cette affaire. Hein. Moi je dis que c'est bien. Bon. J'aime bien quand ça avance comme ça. Je voulais les poser ces panneaux. Je voulais que ça se voit. Là je suis content, ça se voit. Vraiment content. Je vais chercher les vis qu'il faut, qui sont prévues à cet effet. Et ça va être très bien. Voilà. Tout est fini entre nous. Oh, droit d'auteur, ça va, c'est bon. Elle a sorti il y a 15 ans, sa chanson. On peut bien la remettre un peu, quoi. Non, on va nous prendre des sous. Ouais, mais c'est vrai, faut payer les auteurs et tout. Mais ouais, bah ouais. On a rien sans rien. Hein. Depuis que j'ai mon Ryobi acheté sans partenariat, la vie est plus simple. Mes joints sont plus lisses et mes poignets s'en portent mieux. Regardez. Fais voir de près, Jean-Fi, attention. C'est parti. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Hein? Franchement. Ah, je viens de me lourder là. Je suis tombé de là. J'ai loupé la marche, j'avais des boîtes. Et j'ai loupé la marche, je suis tombé là-bas. Sur le dos. Enfin, sur la cheville et le dos. Putain, comme je suis costaud quoi, j'ai rien. J'hallucine, j'ai dit, ah c'est bon, je me pète une cheville ou un truc comme ça. J'ai dit, ah ça c'est le gros truc à la con, tu vas voir, ça va nous bloquer pendant 2 mois pour le chantier. Et là, je me relève, j'ai mal nulle part. Putain! Ah! 1m60, je tombe sur le dos, j'ai rien quoi. C'est de la chance ou c'est parce que je suis costaud? Ah, je dois avoir un corps en titane. Tu vas voir, ce soir, j'aurai une vieille douleur. Non, c'est pas marrant. Je le ferai plus, promis. Je ferai attention. Ça y est, il a enfin réparé son Webasto dans son camion. Ah oui! Et là, il est deg parce qu'il a pas pu m'aider beaucoup. Aujourd'hui, il avait sa gouttière qui s'arrachait tout avec le vent, tout ça. Dingue! Hein? Ouais, dingue! Voilà, ça y est, c'est fait. C'est du costaud. On pensera à bien visser les meubles sur les tasseaux et pas dans le contreplaqué de 5 mm. On a réussi à bien régler. On a eu des petits soucis parce que les tasseaux, ils font pas 40, ils font 38, alors que Stérodur, lui, fait 40. Donc, c'était pas évident. Alors, on a découpé des petits morceaux de calendrier. Voilà, qui fait 2 mm. Ce qui fait qu'on le cale en dessous, bon, c'est un petit peu de boulot en plus, mais c'est pas grave, on le cale en dessous, puis ça c'est costaud, c'est dur, hein, c'est comme du MDF, hein, c'est pareil. Hop, on cale cette petite cale en dessous, et en fait c'est nickel. Et on arrive à tout rattraper comme ça, on arrive pile poil. Voilà, donc ce côté-là est fait, quasiment, hein, on va aller réparer la gouttière avant qu'il fasse noir et qu'il y ait un temps de caca. Voilà, ça c'est fait, je vais faire mes entourages de fenêtres. Voilà, et on a perdu un petit peu de temps, comme je me suis cassé la figure. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je monte plus avec l'escabeau. Ça m'a énervé. Et on a remis l'escalier comme ça avec des sangles, on a tout serré. Maintenant, on peut descendre librement. Vous voyez, je fais attention parce qu'en fait, j'ai un petit peu mal à la cheville. Pas si costaud que ça, en fait. Pas si costaud. Merde, costaud. Pas si costaud que ça, en fait. Hein. Non, voilà. Petit escalier. Au moins, franchement, c'est bien mieux. Voilà. Parce que mine de rien, on fait plein d'allers-retours et je me suis dit, oh là là, je vais encore me casser la figure. Et ça va être ton escalier définitif. Ouais, qui sera à côté. On va faire une petite plateforme escalier et tout, ça va être pas mal. Ouais, escalier plateforme, ça va être vraiment pas mal. Qui s'ouvre sur le côté, comme ça on a de la place pour entrer dedans. Exactement. On pourrait presque se garer en ville discret, ni vu ni connu, et sortir l'escalier comme ça. Parce que si tu mets ton escalier droit, ah bah, sur le capot d'une Twingo, t'imagines? Alors, ça. Ah, c'est ça, hein. Oui, voilà. Ils ont des Twingo en Afrique? Je sais pas. Allez, qui c'est qui t'a dit qu'on allait en Afrique? Oh, il a vendu la mèche!
Bon. Allez, on va réparer sa petite gouttière et je pense qu'on se retrouve demain pour la suite des travaux. I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go. I've been beaten, I've been bloody, I've been broken and betrayed, and I'm wondering how much lower can I go. Found her with another man, I was thrown into confusion. All the world I thought was true, nothing but illusion. So now I'm a liar, I'm a loser, I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go. I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, wondering how much lower can I go. Even though I know it's wrong, I wish my pain upon the world. I curse the lives of lucky men, and to this hell I hope they hurl. I was once a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go. I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, and I'm wondering how much lower can I go. So I'm wondering how much lower can I go. Coucou. Bon bah comme les gars ils veulent pas faire de pause parce que pour pas être en retard pour le live et que Jérém ne veut pas goûter, du coup, bah, j'emmène quand même le petit goûter à Jean-Fille, un petit café et quatre petites madeleines aux pommes. Allez, ciao, bisous, à tout à l'heure. De toute façon, elle est bien mieux cette caisse-là que Justin. Ouais. Le jour où je le vois, ce gars-là, je lui lance un duel. Ok ? Est-ce qu'il sera capable de l'accepter ou pas ? On verra un de ces jours. On va te raccourcir, juste. On se retrouve ce matin. Bon, bah, pas terrible, hein, pas terrible aujourd'hui. J'ai pas fait grand-chose ce matin. Vous voyez, je voulais mettre les charnières ici. Mais on n'a pas les vis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je suis un petit peu bloqué ce matin. On a perdu du temps aussi. Enfin, c'est pas perdu du temps, mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est une perte de temps. On a commandé tout ce qui était réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée, les raccords, les tuyaux, tout ça. Et c'est chiant parce que ça prend du temps et du coup, on a l'impression de ne pas avancer, quoi, tout simplement. Alors, je me suis dit, je vais commencer à plaquer ici. Vous voyez, parce que tout est prêt, vous voyez, tout est prêt. On a même pu plaquer la dernière plaque ici. Bon, ça, c'est facile à faire. Ouais, mais je ne peux pas plaquer parce que je n'ai pas encore ma petite porte. Je me suis dit, du coup, je vais mettre mes petites charnières. Je vais mettre que ces fixations. Comme ça, c'est bon, elles sont noyées dans l'isolation et je pourrais, paf, je pourrais claquer. Ouais. Mais ces vis-là, j'en ai plus. Du coup, je me suis dit, je vais récupérer une vis ici, ça me fera 4 vis et je peux visser mes charnières. Ouais, mais ces vis-là, je les ai collées à la PU pour pas que ça fuit de l'intérieur. Donc du coup, je me dis, si je les enlève, ça va faire tout dégueulasse. Du coup, j'ai pas envie de les enlever. Donc on s'est dit, on va aller au magasin chercher. Le problème, c'est que si on n'a plus au magasin, on fait comment? Je vais pas prendre 3-4 jours à les commander sur Internet, ça va être galère. J'aurais dû le faire avant. Donc du coup, bah, ça me bloque. Ensuite, on a dit, tiens, on va essayer la fenêtre qui est censée aller là. Mais en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, elle est carrément trop grande. Elle fait ça, la fenêtre. Donc, on est en train de faire les papiers pour la renvoyer. On en a recommandé une qui devrait bien s'intégrer ici, qui sera beaucoup plus petite. Donc là, on va faire tout ça tout à l'heure. On va aller voir au magasin si on peut trouver des vis. On va rechoper du stérotaire parce qu'il ne nous reste plus que 3 plaques. Et puis je vais trouver une solution. S'il n'y a pas de vis au magasin, tant pis, j'enlève celle-là, je mets la charnière, je continue le plaquage. Ensuite, je pourrai mettre tous mes tasseaux. Et comme j'aurai mon stérodur que j'aurai été chercher au magasin, et ben je pourrai tout plaquer le plafond. Voilà. J'espère que dans la semaine, on va recevoir assez rapidement aussi le bois. Comme ça, j'isole aussi le plancher.
et je mets mon plancher en contreplaqué fibré, et je pourrais commencer à faire mes cales là-bas pour mes réserves d'eau, tout ça. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à fermer ici et mettre la plaque. Voilà. Donc voilà, c'est dommage parce que hier on a super bien avancé avec Jean-Philippe et ce matin j'ai rien foutu quoi. Parce qu'il y a toutes ces commandes à faire, il y a plein de petites choses qui n'ont pas été et du coup c'est énervant. Donc je suis un petit peu dégoûté aujourd'hui. Bon, ça ira mieux cet après-midi, j'espère que je vais pouvoir avancer, mais c'est ça les chantiers. Il y a des fois, il faut perdre du temps à commander les affaires, à calculer ce que le réservoir il va passer, parce que même si le châssis, il y a beaucoup de place en dessous, et ben, il y a plein de petits endroits où il y a les traverses qui nous ennuient, tout ça, donc on ne peut pas faire passer ce qu'on veut en réserve d'eau, donc c'est pas facile. Et voilà, normalement, pour avoir ce qu'il faut en eau usée, et ce qu'il faut en eau propre, ça devrait faire largement. Voilà. Je vous laisse et je vous dis ben jeudi pour la prochaine vidéo. Normalement, tout sera plaqué, on aura le bois qui sera arrivé. Donc, affaire à suivre, ça risquerait d'avancer beaucoup plus vite que ce début de semaine là. J'espère qu'on va se rattraper en milieu de semaine. Allez, bye bye, mettez les petits pouces, abonnez-vous sur Instagram, à bientôt à jeudi. Bisous! Donne envie de faire du cheval au Texas, courir dans les plaines d'herbe verte. Yeah, vas-y Jean-Philippe, on fait la course. Non, en fait non, en fait non. Ah, ça me donne envie de monter sur un cheval dans le Texas. Yeah, je cours à travers les prés verts. Très bien. Une femme qui travaille pas, c'est un capital qui dort.